bonjour à vous tous et bienvenue ce matin dans notre culte de dimanche. Nous sommes capables d'appeler le culte de dimanche, mais aussi nous sommes capables d'appeler le culte familial. Et ce matin, après avoir que nous venons chanter la louange et l'adoration qui vient monter vers Dieu ce matin, et maintenant c'est arrivé le moment pour qu'il maintenant entende la parole. Donc ce matin, il y a un privilège, il y a une grâce que Dieu vient accorder à nous pour qu'il nous vienne capable de réunir en famille après une semaine qu'il nous vient traverser. Je suis certain, beaucoup d'entre nous ont fait passer un bon moment dans la famille. Et là, peut-être ceux qui rentrent au travail, qui commencent à travailler, et que Dieu nous donne beaucoup de force, de courage, et d'autres personnes encore qui peuvent atteindre la rentrée des autres travails, quand chacun est dans différents lieux de travail et différents travails ou différents métiers. Donc ce matin, moi les salue dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, moi les bénisse dans le nom de Jésus, moi les glorifie Dieu pour tout ce qu'il peut faire au milieu de nous. Donc ce matin, c'est avant que nous pour commencer dans toute chose, laisse-nous demander l'intervention de Dieu ce matin. Laisse-nous prier, nous demande l'aide du Saint-Esprit pour lui prendre vraiment le contrôle de la réunion, le contrôle du message, le contrôle de chaque l'équerre, de chaque personne qui peut entendre la parole de Dieu ce matin. Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les prie toi de tout mon cœur, de tout mon âme, je les prie toi de tout mon être, de toute ma pensée. Je les glorifie toi ce matin, je les exalte, je les donne toi la gloire. Parce que seul toi le Dieu qui mérite la gloire, toi le Dieu qui mérite l'honneur, toi le Dieu qui mérite toute la merveille, toi le Dieu qui mérite tout le bienfait. Ce matin, c'est une immense joie pour venir vers toi, mon Dieu, pour glorifier vraiment le nom de Jésus-Christ. Merci ce matin, mon Dieu, Papa, pour toutes les personnes qui peuvent entendre la parole de Dieu ce matin. Bénis toutes les personnes qui peuvent entendre le message de Dieu. Bénis toutes les églises qui viennent organiser ce matin. Fais faire la louange, l'adoration, le parfum de bonne odeur qui peut monter de cette terre de l'île Maurice, peut monter vers le ciel. Différents l'église, différents l'endroit, et tout un seul peuple, un seul équerre, un seul pâturage dans le ciel. Seigneur, bénis tous les hommes de Dieu qui en ce moment-ci pressent l'évangile de la vérité. Seigneur, bénis tout l'homme de Dieu, bénis tout un troupeau qui l'île Maurice en entier finit vraiment et finit rejoindre dans chacune des autres maisons, même d'autres de bonne place, que viennent unir à Seigneur Dieu l'importance. C'est que je peux tendre la parole, l'impotence, je peux glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous les bénis-toi, Dieu, pour ta grâce, nous les bénis-toi, Dieu, pour ta grandeur, nous les bénis-toi, Dieu, pour ta miséricorde, et merci pour cette dimanche magnifique qui te vient de nous. C'est le jour du Seigneur, que tout le peuple fin délaisse tout, Seigneur, fin met tout à part, et vraiment fin cesse la face de Dieu ce matin, il donne Dieu la bonne part ce matin, et Seigneur, qui te fait cesse, mon Dieu, le pied de Dieu pour te humilier autres ce matin, et Seigneur, vous priez ceux qui vraiment se lament, les malades ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui se lament, les guérit dans le nom de Jésus-Christ, se lament libérés, dans le nom de Jésus-Christ, moi prier ceux qui ont la tristesse dans son équerre, dans son âme, dans son esprit, moi prends l'autorité, moi brise l'esprit de la tristesse. Seigneur, que la tristesse les change, les vrine en l'allégresse et dans la joie ce matin, Seigneur, parce que la parole de Dieu les pour prêcher dans toute sa liberté, Seigneur, et je suis capable d'entendre ta parole. Que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit béni, soit exalté, Père. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et voilà aussi, mon fait un petit bonjour spécial. Et à tous ceux qui finissent nous après. Que Dieu bénisse tout à chacun de vous. Et donc ce matin, vraiment après avoir qu'il nous finit l'élève, nous la voix, nous finit l'élève, nous l'équerre avec Dieu pour exprimer nous la joie. Pour exprimer ce contentement qu'il y a dans nos équerres. Pourquoi nous exprimons ça, la joie, ce contentement-là? Parce que c'est que Dieu finit de faire pour nous, c'est que Dieu finit de nous, personne n'est pas capable de faire non pour nous,
personne n'est capable de nous nier ce qui nous le cœur fait désir. C'est pour cela en signe de reconnaissance qui nous fait lever nous le cœur vers Dieu, qui chacun dans son langage, chacun dans son cœur, fait bénéficier ce moment-là, fait lever sur la voie pour dire Dieu un grand merci ce matin pour tout ce qu'il vient de faire pour chacun de vous. Donc ce matin, après avoir que nous fait louer, nous fait adorer, laisse-nous ouvrir nous la Bible ce matin maintenant, nous tourne vers la parole de Dieu. Nous pouvons nous la Bible dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 21. Ceux qui peuvent écouter nous peut-être pour la première fois, nous saluons eux dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, peut-être, j'ai envie d'écouter. Donc, ce matin, qui je peux écouter, c'est je peux écouter la bonne nouvelle. Je peux écouter le merveille de Jésus-Christ. Je peux écouter qui vraiment est un bon Dieu qui est vivant, un bon Dieu qui existait. Son nom est Jésus-Christ. Ça, Jésus-là, peut-être, vous direz, mais qui extra bon Dieu vient faire ça, Jésus-là? Ça, Jésus-là, ne fait quelque chose que personne ne l'a la terre-là pas faire. Aucun bon Dieu l'a sur la terre-là qui existait pas faire. Les filles donnent sur la vie le la croix à cause du contentement. Et personne n'est capable de faire ça. Ce n'est que Jésus-Christ qui fait cela. Tellement les content nous, les filles donnent sur la vie le la croix du calvaire. La Bible dit comme ça, il prend au péché, il prend aux maladies, il prend aux malédictions. Et il vient pour donner la paix. Et ce matin, sens-tu-toi heureux parce qu'il y a un Dieu qui donne la paix. Sens-tu-toi heureux et il y a un Dieu qui compte en toi, tel ce qui tu étais, comment tu étais, quand tu étais. Dieu lui compte en toi. Et c'est pour cela que ce matin, et nous encourageons, ben, nouvelle, même ceux qui sont différents à l'église, ça ne fait rien. L'important, c'est qu'il y a un seul bon Dieu et un seul évangile. Ça qui est important. Écouter et aussi bien qu'on est qui peut écouter pour qu'il nous grandisse spirituellement. L'évangile de Jean, le chapitre 21. Nous pouvons lire à partir du verset 20. Chapitre 21, verset 20 jusqu'au verset 23. Nous pouvons lire ce matin. Pierre se retourne et il voit derrière eux le disciple que Jésus aime. Pendant le repas, ce disciple s'était penché vers Jésus. Il lui avait demandé, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre voit ce disciple et il demande à Jésus, « Seigneur, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver ?» Jésus lui répondit, si je veux qu'il vive jusqu'à que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Alors on a raconté dans la communauté que ses disciples n'allaient pas mourir. Pourtant, Jésus n'avait pas dit il ne va pas mourir. Mais il avait dit, si je veux qu'il vive jusqu'à que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire? Laisse-nous couper la tête ce matin. Nous bénis Dieu pour ce sainte l'Écriture. Père très saint, dans le nom de Jésus de Nazareth, c'est avec un immense joie, immense bonheur, immense grâce, qui vraiment nous tourne vers toi ce matin pour tes paroles. Seigneur, cette parole, t'au fin donne nous, Seigneur, avec une précision, pour qu'il nous capable explique ton peuple, explique tout ce qui peut entendre cette parole, pour faire lui comprendre toute la réalité. Seigneur, aide-moi avec l'aide du Saint-Esprit, qui comme t'au fin donne cette parole, cette l'évangile de vérité, lui être prêché dans toute la liberté et dans toute vérité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi, tasse tout, ben, principauté de ce monde, ben, l'esprit de ténèbres, ben, l'esprit du mal. Moi, tasse tout ça, ben, l'esprit là, dans le nom de Jésus-Christ. Moi, zette-les dans le lieu d'aride. Et Seigneur, moi, applique le sang de Jésus-Christ de Nazareth, la pensée, le léquer de tout ça, ben, bien-aimé,
qui écoutent sa parole-là, c'est l'évangile de Christ. Seigneur, qu'ils comprennent cette parole, parce que cette parole est vraiment une bénédiction. À toi, honneur, gloire et puissance, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous finissons la parole de Dieu. Et aussi, nous vous référer cette lecture dans le verset 21. Il dit que Pierre voit ses disciples et il demande à Jésus, « Seigneur, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire ? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Donc, quand Pierre et Paul lui peut dire, Qui peut arriver, ça qui est là, il peut parler nous de Judas. Judas Iscariote, quand il peut vendre, il peut trahir le Christ. Mais dans le verset 23, quand Pierre demande Jésus-Christ, je les connais, qui peut arriver? Je les connais, qui peut non? Je les connais, qui peut passer? Mais Jésus-Christ est allé dans le verset 23. Et c'est ça même que Jésus-Christ voulait dire à tous les chrétiens, à tout le peuple de Dieu qui naît de nouveau, qui vient prendre la décision pour mort avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, toi, suis-moi. Pierre le connaît, qui peut arriver, qui peut non, qui peut passer. En l'autre mot, Jésus-Christ, il refait Pierre comprendre, il refait aussi comprendre, qui poignant, qui pas poignant, qui les autres pour faire, qui les autres pas pour faire, qui conséquence poignant pour les autres, pas ton problème. Ton problème c'est suis-moi et dans toute la manche. Donc le thème, le titre de ce message ce matin, nous vous parle sur la curiosité. Nous vous parle sur la curiosité. Comment nous dire dans mot créole le mot qui est. L'homme l'écueillé, la curiosité. Nous vous parlons de ce thème-là ce matin. Donc, avant qu'il nous rentre dans le plein message, laisse-nous vous faire une petite introduction pour nous comprendre ce matin. Quel est le but d'un chrétien? Qui est un chrétien qui se but? Qui est appelé? Pour qui faire l'inappelé? Pour qui raison les paiements sont bon Dieu? Et quand sa destination trouvée. Donc le but qui nous fait rencontrer Jésus-Christ est un seul but, c'est poursuivre Jésus-Christ. C'est poursuivre Jésus-Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont trouvé, fin abandonne bon Dieu, fin abandonne Jésus-Christ, fin abandonne la vie sur la vie de la chrétienté, fin abandonne la vie vraiment de la manche. Il a abandonné qui fait à cause nous appelle la curiosité. Donc dans le mot créole nous dire à cause ban qui sort qui nous fait qui est lieu. Nous avons connu qui est là qui pour passer non pas et donne-nous la mort qu'on sait dans la vie chrétienne mais nous qui est envers les autres. Et ce qui nous rend compte ce matin, nous vous expliquer quelle qualité poison est dans sa l'esprit de curiosité là. Quelle qualité poison, ça même je vous trouver à chaque fois qui amène un topic, un thème. Ce n'est pas un thème qui nous envie mettre, un topic qui nous envie prêcher, mais nous demandons Dieu beaucoup avec beaucoup de prières, nous demandons bon Dieu. Quel est le message qui te l'apporte à ton église, à ton peuple? Qui te peut besoin? Nous, quand nous pouvons guetter, nous trouvons tout bon, nous trouvons tout correct. Quand nous guettons technologie physique, nous trouvons tout bien, en bonne santé. Je tout peux marcher, je tout peux causer, je tout peux rire. Mais qui passait à l'intérieur de notre vie? Qui passait dans notre vie chrétienne? Qui passait dans toute la manche? Qui peut passer dans les secrets?
qui peut passer dans quelque chose qui ne nous pas trouver, nous pas attendre, mais quelque chose qui va dire, bon Dieu dans tout, bon Dieu compte tout, et bon Dieu est la solution pour tout quelque chose. C'est pour cela que nous demandons Dieu, quel est le message pour apporter à ton église? Que Dieu lui donne le message à son église, lui donne le message spécifique qui lui concerne sa chrétien. Comme finalement l'enseignement le vendredi, le message est spécifique, il expliquait, il prêchait, il fait comprendre et il nous verdiger le peuple. Et ce matin de même, le message est spécifique pour verdiger chrétien, pour préparer chrétien. Beaucoup vraiment nous dire, nous penser, nous peut dire quand l'église pouvait, quand l'église pouvait, quand l'église pouvait. Mais moi, mon Dieu, bon Dieu, peut donner l'occasion, peut préparer l'église là, peut préparer le peuple là, peut corriger nous, mon Dieu, nous, NOIS, peut corriger nous, peut préparer nous, peut débrancher ben branche qui mord, ben feuille qui sèche, peut débrancher. Afin que nous réattaquions l'église, que nous rentrons l'église, nous ne pas commettre les mêmes erreurs qu'ils nous commettent autrefois dans la présence de Dieu dans l'église. Nous ne pas commettre les mêmes erreurs dans nous la vie. Quelque part, on trouve ce qui fait arrive le monde en entier, comme l'île Maurice. Moi, pensais que Dieu fait une saisie l'occasion pour mettre son peuple de côté à part, pour corriger sa peuple-là, pour corriger même l'âme de Dieu, même serviteur de Dieu, pour corriger, pour briser, façonner, pour couper le feuille sec, pour couper la branche qui paie dans le fruit, pour couper, pour préparer, pour régresser à nouveau, pour redonner, et vraiment me dire, un nouveau départ dans notre vie. Et beaucoup de chrétiens peuvent dire, quand nous poils, donne-nous l'église. Et moi, je pensais que Dieu prépare sa peuple-là maintenant, je pensais, c'est que nous fait arriver d'une dernière phrase. Finalement, nous capables de dire trois étapes de la marche de la chrétienté. Une première étape, le temps qui nous fait convertir. Une deuxième étape, la marche que nous faisons après la conversion. Et aujourd'hui, puis arrive une troisième étape pour à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa dernière étape-là, est beaucoup plus importante que la première étape de ta conversion. Sa troisième étape-là, est beaucoup plus importante encore que sa deuxième étape de ton lamance-là. Sa troisième étape-là, c'est l'étape la plus sérieuse qui pointe pour la marche finale de tous les enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il m'a pensé que bon Dieu peut préparer toute l'église dans toute la case. Mais quand nous disons l'église, il commence dans la case, peut préparer l'église à la maison. Prépare ça l'église qui trouve dans la case, ça l'église familiale là. Veut dire tout ce qui n'est pas bon, peut couper, peut casser, peut retrancher, peut corriger, de semaine après semaine, de semaine après semaine, encore, peut corriger nous, peut préparer nous, afin que quand nous rentrons dans le pâturage du Christ, beaucoup de qui sont dans le passé, finissent besoin changer dans nous la vie. Parce qu'il nous l'amorce dans les troisième portions, reprends-le comme ça pour nous comprendre. Nous l'amorçons dans les troisième étape. N'est pas pour pareil comme l'amorce dans les premières étapes. N'est pas pour pareil dans la mort du deuxième étape. N'est point la mort du troisième étape. N'est point l'amorce exceptionnelle. N'est point l'amorce disciplinée. N'est point l'amorce que pour obligatoire vivre la vie de la sainteté, de la piété, de la sanctification. N'est pour dans l'obligation pour être un vrai chrétien, pour vivre comme un vrai chrétien, pour marcher comme un vrai chrétien. Parce que l'avenir de tous les chrétiens, l'avenir de tous les enfants de Dieu, l'épouse dans sa troisième round qui nous peut rentrer très bientôt, nous pourrons rentrer dans l'église à nouveau.
nous dirons le troisième round. Premier round, il finit. Deuxième round, il finit. Le troisième round, le round le plus important, le plus sérieux dans la vie du chrétien. Maintenant, ce qu'il concerne de la curiosité, nous vous parle ce thème-là. Ça, ce n'est qu'une introduction qu'il nous fait faire ce matin. Dieu, dans son amour, dans son grande sagesse, chaque jour, il peut corriger sur l'église. Chaque jour, il peut corriger sur l'église, il peut préparer sur l'église. Nous dire, oui, la terre, pas pour gagner, l'église parfaite, pas exister, la terre. Mais seulement chaque chrétien, individuellement, ce matin, quand il était, quand il est troublé, l'important, c'est qu'il peut écouter ce matin. L'église parfaite, peinant la terre, nous dit, pas exister, la terre. Mais seulement la terre, chaque chrétien, il est dans ce devoir comme l'apôtre Paul, pour courir vers la perfection. Veut dire que chaque chrétien, il gagne l'occasion, pour gagner l'occasion, fin gagne l'occasion, pour les perfectionner sur la vie. Pour les perfectionner sur la vie, pour la mort de ce dernier étape dans qui nous pourrons rentrer. C'est la mort qui nous pourrons rentrer là maintenant, le troisième étape qui nous peut atteindre l'église ouverte. Besoin énorme de penser que Dieu lui fait déposer le nous l'équerre pour nous parler à son peuple. Moi pas dire mon pensée, mon envie comme ça. Mais Dieu vraiment lui envie comme ça, qui sa troisième étape qui nous parle rentrer là, dans l'ouverture de l'église qui pourrait être très bientôt, bizarre et un grand changement, une grande différence dans la marche de chaque chrétien. Comment il marche tout au long de son marche qu'il est dans son église. Et là, à nouveau, qu'il pourrait rentrer dans son église. Parce que mon pensée, beaucoup erraient à nous le faire dans le pâturage. Quand nous disons pâturage, nous disons l'église. Quand nous disons l'église, nous disons présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des hommes de Dieu, font beaucoup des erreurs dans le pâturage du Christ. Fort heureusement, Jésus-Christ, comme a dit, pas d'avoir un ange de la terre, Findias, un ange descend de la terre, al dit sa balance là, cause de sa banane de Dieu là, descend dans sa l'église. Heureusement, il n'y a pas de faire ça. Il y en a cela dans son pensée, peut-être. Dieu fait une pensée cela. Il y a une pensée pour faire cela. Mais Dieu merci qu'il n'y a pas de faire cela. Tu peux arriver à un moment que Dieu, tu es capable de descendre tout mon ange dans toute mon église, juste pour dire mon ange, Dieu ça mon église, Dieu ça mon homme de Dieu là, retourne-moi mon église dans mon lamé. Tu résistes ça même pour Dieu l'y faire. Retourne-moi l'église à nouveau dans mon lamé. Laisse-moi reprendre mon église moi-même. Mais Dieu, dans son grand amour, il peut donner toute l'église de l'occasion. Tout bon homme de Dieu peut donner l'occasion, tout bon serviteur de Dieu, Dieu peut donner l'occasion. Et aussi peut donner l'occasion à tout bon peuple de Dieu qui vraiment danse l'église. L'église n'est pas pour un homme. Beaucoup de monde disent quand il rentre l'église, il dit moi l'église, ça, moi l'église, ça, ça, moi peuple, ça. Moi fais comment moi-même, comment moi vie. Peinant, moi l'église, peinant. Peinant, moi peuple, peinant. Mais c'est sur l'église, c'est son peuple. C'est pour cela, en disant ces mots l'église, ça a même beaucoup filmé l'église, dans beaucoup des erreurs, l'église est tombée. Tu restes bon Dieu, tu restes juste pour descendre, envoyer un ange, pour dire, Dieu ça m'a dans là, Dieu ça m'a dans là, Dieu m'a tout dans l'église, retourne mon église. Donc, l'entrée qui nous prena à nouveau, dans l'église, dans le pâturage du Christ, l'Ipoine l'entrée bien, bien, bien différent comme qui était autrefois. Et la Bible dit nous, la parole de Dieu, elle dit à nous, Pierre, on les connaît à tout moment, qui arrive Judas.
Je les connais comme qui parle, Judas. C'est qui comme curiosité. J'ai si envie de connaître qui parle, lui. Qui parle, qui lui vous passez, qui s'entend ce prénom. Mais c'est moi, Jésus-Christ, il met pied dans son place. Il dit pied comme ça, et si je suis capable de garder vivant jusqu'à mon retour, si tu l'es, si je suis capable de faire lui telle façon, qui ça pour faire toi? Pour toi, en autre mot, pour toi, que ton problème était là dans toi. Toi, ton problème, c'est suis-moi. Donc, c'est ça parfois, il y a là qui nous, quand pour arriver, nous, ouvrir le message, nous pour arriver à comprendre beaucoup de choses. La curiosité, quelle qualité dégâts lui faire? Quand nous cueillons, quand nous servons la curiosité, quel dégâts nous capables de faire? Moi, je dis, première question de la curiosité, c'est un poison pour la vie chrétienne. La curiosité, il y a un poison dans la vie d'un chrétien. Parce qu'il fait, nous avons vu connaître qui pour passer, nous avons vu connaître qui pour arriver, nous avons vu connaître comment pour arriver cela, nous avons vu connaître qui raison est vraiment cela fin arriver. Nous avons vu connaître jusqu'à même quelquefois, nous rentrons dans la vie privée du monde là, nous avons vu connaître qui peut arriver dans sa problème qui lui peut passer là. La vie chrétienne, quand il y a un problème, ne fait pas dans mon problème, dans ma circonstance difficile, des personnes que cela lui regardait. Cela regarde des personnes, vous mettez comme ça pour nous comprendre. Cela concerne juste des catégories personnes. Première catégorie personne, quand Dieu a un problème, il arrive qui se peut pas, qui se peut souffrir, etc. Les consciences sont bon Dieu. Première question, qui est capable d'arriver, chrétien là, les consciences sont bon Dieu. Quand il tombe, les consciences sont bon Dieu. Qui arrive sur le foyer, les consciences sont bon Dieu. Qui arrive sur la vie spirituelle, les consciences sont bon Dieu. Qui arrive sur les enfants, les consciences sont bon Dieu. Qui arrive sa famille là, les consciences sont bon Dieu. Les morales, les consciences sont bon Dieu. Tout chrétien sans problème, les consciences sont bon Dieu. Tout problème sans difficulté, tout chrétien sans difficulté, les consciences sont bon Dieu. Tout chrétien qui peut souffrir dans les secrets, il tombe d'un vice, d'un plaisir, d'une passion, d'une faiblesse. Les commettent qui sont irréparables. Les vies tombent dans les mains qui sont. Pour qui cela regarde, pour qui cela concerne, les concerne son bon Dieu. Numéro 1. Deuxième personnage pour qui les concerne, les concerne les bergers de sa troupeau-là. Les concerne les bergers de sa troupeau-là. Qui fait le conseil le berger de sa troupeau là? Parce que qui fait, quand il y a un problème, un difficile, de la peine, il a besoin de David, il David à bon Dieu. Et il y a l'autre qui vient physiquement pour les gars, pour partager, pour David. C'est le besoin qui vient de deux choses. Un qui vient qui est capable de faire confiance pour dévoiler les secrets de son équerre. Et un qui vient qu'on finit de dévoiler, qu'on garde les secrets de son équerre. Et après qu'il garde le secret de son équerre, les pisins qui viennent, qui viennent dévoiler qu'on garde le secret, et un qui viennent, qui pour prier pour lui, qui pour aider lui, pour tirer lui dans cette difficulté qui était. Donc, il concerne des catégories. Problème du monde, je vais prendre comme ça. Problème du monde, il concerne son bon Dieu. Si il y a un chrétien, il concerne aussi son bon Dieu. Si y a un chrétien, il concerne son bon Dieu, il concerne aussi son berger. Qui fait? Parce qu'il a besoin d'une personne de confiance. Et d'une personne qui garde les secrets. Après, il ne concerne personne. Parfois, c'est sa même erreur qui chrétien lui fait. Pas juste chrétien, la race humaine, l'eau, la terre. Et aujourd'hui, que nous pouvons vivre dans l'époque, c'est ça même qui est comme si nous trouvions une vie en vogue. C'est ça même qui vient prendre l'ampleur. Sans qu'ils nous rendent compte, nous pouvons casser l'amitié camarade pour avoir une curiosité. Vous pouvez expliquer les mots bien profond là-dedans. Et la place du point de vue bien direct ou cri-cri si vous voulez.
parce que l'église de ce church n'a pas peur pour cause de la vérité. Cela mène à pas avoir roche. Et l'église de ce church n'a pas droit personne pour empêcher la cause de la vérité. Celle qui chose qui nous doit bon Dieu. Apporte ça personne. C'est pour cela que nous avons la liberté pour parler de la vérité. Qui fait que la vérité causée pour corriger, la vérité causée pour préparer, la vérité causée pour ne pas perdre ou salut, la vérité causée pour ne pas tomber dans l'enfer un jour, la vérité causée pour ne pas perdre ou salut. C'est pour cela qu'il cause la vérité pour tiaou de difficulté, pour tiaou de problème, pour tiaou dans les mauvais chemins quand tu finis de rentrer. C'est pour ça qu'il nous dit à la curiosité parfois, il arrive les casse même jusqu'à l'amitié, camaraderie, les cacher. Qui fait la curiosité rentre dans ou à quand secret la personne ou quand ce secret par la curiosité ou si elle se connaît après quoi ou à trahir ou à le vanner ou à le dévider ce secret. Les casse, nous dit il y a un poison. Les casse l'amitié parfois même voisin. Combien de chrétiens voisins, pas en bon terme, qui fait, parce qu'il y a quoi, la curiosité qui nous fait, et vraiment après, nous allons vendre tout ce secret, nous allons vendre tout ce qu'il vient raconter, peut-être, il raconter, nous allons vendre, nous allons trahir. Parfois, vraiment, les détruire. Parfois, la curiosité, ce qui nous tendait, nous allons raconter en dehors. Nous allons raconter, nous ne pouvons pas casser un foyer. Nous ne pouvons pas casser un foyer. Tout à l'heure, je vais vous expliquer comment nous ne pouvons pas casser un foyer. Comment nous ne pouvons pas casser une famille. Comment nous ne pouvons pas casser l'amitié familiale et même parents ne pouvons pas casser. Pas ban l'esprit de curiosité qui fait ban quelque chose, qui rentre ban quelque chose du monde qui ne pas concerne nous quelquefois. Mais frère, mais qui concerne moi? Qui concerne nous, c'est suivre Jésus. Ça même concerne. Qui fait ton vie chrétien, suive Jésus. Qui fait ton petite religion, tradition, etc., c'est pour suivre Jésus. Qui fait Pierre, fin vraiment, et fin quitte le filet, fin quitte bateau, fin quitte casier, fin quitte son métier. Qui fait le quitte tout cela, c'est suivre Jésus-Christ. C'est ce qui beaucoup de chrétiens les font errer. Quand ils suivent, ils ne connaissent pas qui est celle, qui se but, qui la raison, pour qui raison les vies chrétiennes. Pour qui raison l'in converti? Pour qui raison l'in naître de nouveau? Et ça nous dit parfois, beaucoup de personnes qui nous trouvaient à nos jours nous expliquaient qui la curiosité lui fait dans la vie du monde. Quand nous dit il y a un grand poison, il y a un grand poison qui fait, qui amène, qui chose qui amenait ce poison, c'est quoi ce poison? La curiosité. Qui cachait derrière ça? Et l'esprit qui cachait derrière la curiosité. Il commence par un, il vient deuxième, et il vient troisième, il vient quatrième, il vient, comment dire, un lacène. Les rêves qui nous trouvaient, ils détruisent. D'ailleurs, on va expliquer curiosité qui a détruit. À qui point les dangereux. La curiosité, ce fruit derrière, il y a un fruit. Je vous dis à ce moment-là, le fruit qu'il y a tout à l'heure, vous trouvez. Quel fruit qui est là quand nous servons dans le monde la langue créole, la langue mauricien. La curiosité lui donne naissance à l'esprit de palabre. Peut-être est là pour choquer, pour dire, mais qui mot peut servir ce matin? Ce mot-là est important pour servir pour ouvrir ou l'intelligence ou léger. Ou pour trouver qui fracas quand un djimoun lui créé. Il y a le grand de quelque chose qui pas concerne lui. Qui a des fracas, il capable faire dans des côtés. Lui frère fracas vers celui qui vraiment lui peut faire du tout là. Et lui peut faire fracas aussi dans son propre la vie. Qui ce soit sur la vie spirituelle, qui ce soit dans sur la vie de la marche de la chrétienté. Donc, la curiosité. Qui amenait, c'est un poison qui amène les esprits de palabre. C'est même nous trouver qui, beaucoup parfois, ils commençaient, ils ne commencent pas loin.
Quelquefois, il commence tout autour de nous, l'environnement qui nous appelle nos voisins. Il commence par voisins. Fait vraiment, parfois, le problème, il commence autour du voisin. Parfois, voisin même dire, eh, ben là, j'ai une mission, ça. Ça, ben là, ben chrétien, ça. Ça, ben là, j'ai dans l'église, ça. Qu'est-ce qui qualité des autres, les finales, mettez dans mon foyer. Qu'est-ce qui qualité palabre, l'inal faire, l'homme ou la vie. Qu'est-ce chose qui m'ont pas faire, les finales, raconte en dehors. Parfois, dis mon dire, qui la prière, il peut aller, qui mission, il peut aller, qui a l'empreinte là-bas, qui montre-lui là-bas? Est-ce qu'il s'a même montré-lui là-bas? Est-ce qu'il s'a même conseillé là-bas? Détruire la case du monde, détruire la famille du monde, détruire le foyer, détruire l'amitié vraiment familiale, pour la curiosité. Elle qui se peut passer à côté un voisin, ou envie qu'on ait qui peut passer là-bas, en leur point nous dire, nous mettre oreilles juste pour tendre, quand finit tendre qui nous fait aller là, dans mon créole nous dire, nous prenons ce qui nous tendait, n'en le fait pas là-bas en dehors. Tellement parfois arrivé, et là vraiment parfois du monde, nous dire la nature du monde, pour lui livrer l'habitude, pour lui livrer nos affaires comme si un plaisir. Content écoute à droite, à gauche, et après qu'elle raconte en dehors ce qui passait. L'État raconte en dehors ce qui passait, m'expliquer ce matin clairement. Nous mal interprète ce qui nous a écouté par la curiosité. Nous mal interprétons. Parfois, un petit problème passe dans le foyer. Le mari peut-être il dit une petite chose. Peut-être la façon qu'il peut traverser sa problème-là, il cause une parole de sa problème-là, dans une façon, pour curiosité, nous allons écouter, nous allons mettre nos nénés, nous allons mettre nos oreilles qui ne sont pas concernées, nous prenons, nous allons mettre les en dehors, nous allons mal interpréter, nous allons mal causer cette chose-là, d'une façon qui dit, nous là, il pas Dieu dans sa façon-là, il pas cause dans sa façon-là, il pas l'exprime-lui. Dans son foyer, dans son lacal, ou avec ses enfants, il n'est pas exprimé dans sa façon-là. Peut-être qu'il peut corriger ses enfants, qu'il fait une erreur, qu'il fait du mal. Peut-être sa erreur, ses enfants, il fait là. Il y a un petit peu délicat, il n'est pas de ramener ça devant le public, la société. Si un chrétien, il n'est pas de ramener ça dans l'église, il lave la salle en famille, tout flit en famille. Mais quelque part, il y a quelqu'un comme curiosité, qui a envie de connaître, il porte l'oreille. Parfois, quand tu as tout du monde, il vient de tout, juste pour connaître qui peut passer, tiens information, trappe tendé, après prend à le libérer en dehors, et mal libéré. Et pas seulement il y a un poison, mais aussi il y a un péché devant Dieu. Un péché, nous ne parlons pas la langue rapporteuse, nous parlons de ce topic-là. Nous topique sur la curiosité, mais il enveloppe beaucoup de choses, la curiosité. Mais nous pouvons le guetter dans la parole de Dieu tout à l'heure, nous pouvons le guetter tout à l'heure plus profond dans la parole, jusqu'à quel point la curiosité est capable de faire du mal. Lui faire du mal à la famille, lui faire du mal aux camarades, lui faire du mal aux voisins, lui faire du mal à chrétiens, même y arriver, lui faire du mal à l'église. Comment l'église, on dit, fait détruire. Nous pouvons expliquer. Pour la curiosité, rentre dans la vie privée de bonne personne. C'est là qu'il nous arrive, nous avons mal interprété ce qui nous fait tendre. Comme ça, combien de foyers font un problème? Nous pouvons dire ça en tant que serviteur de Dieu. Beaucoup de fois, nous faisons beaucoup de visites sur les terrains. Et beaucoup de visites sur le terrain. Ce problème, c'est quoi? Problème, c'est que comme un chrétien, il rentre dans la vie privée, dit Mounla. Il rentre dans la vie privée, ses enfants. Il rentre dans la vie privée, ce foyer.
Il rend de la vie privée sophramique. Il rend de la vie privée la morse de sa chrétienne à peut faire. Il en rend de la faiblesse qui dit mon est tombé. Il n'a qu'une seule faiblesse. Et quand il rentrait avec curiosité, il fit dire information, il fit tendre, il fit mal à interpréter ça en dehors. Et comme ça même, il y a beaucoup chrétiens qui sont arrivés, qui abandonnent l'église. Je vais expliquer maintenant, me rendre profond. L'élève qui arrivait dans l'église où tout chrétien et chrétien n'a pas bien. Mais quand ce problème était ça des chrétiens-là, je parais dans même la case, je parais dans même famille, la case différente, famille différente, la rue, chemin différent. Mais comment fait l'arrivée des chrétiens dans l'église, des familles différentes, je n'ai pas d'accord, je n'ai pas bien. Parfois qui aiment pour rentrer avant l'église peut commencer, l'autre pour rentrer après l'église peut commencer. L'autre qui perd la case avant réunion peut terminer, l'autre perd la case après réunion peut terminer. Pas capable de joindre les autres les uns les autres, pas capable de sortir ensemble. Qui fait? Quand ce problème-là était, qui problème est là? Problème qui est là à nos jours, et il finit comme ça depuis bien longtemps. La curiosité qui est là vis-à-vis nos prochains. Beaucoup de personnes, heureusement, contre nous dans l'église, escalier ne pas trop cela. Mais beaucoup l'église finit là. Beaucoup de chrétiens finissent quitter l'église. Ils quittent l'église, vous connaissez qui faire? Ils pas quittent l'église à cause d'une persécution, un païen. Ils pas quittent l'église à cause d'une persécution en dehors. Les pannes quittent l'église parce qu'un quelqu'un en dehors fait une offense lui. Un quelqu'un en dehors peut-être fait prendre plaisir avec lui parce qu'il a une mission, il y a un chrétien. Non, ce problème pas ça qui quitte l'église. Ce problème qui quitte l'église, il y a les 10 mounes dans l'église, il raconte ce secret en dehors. Le poison. 10 mounes dans l'église, il trahit lui. Peut-être chrétien, lui faire confiance, me cause beaucoup Lola ce matin. Dans la vie, nous venons arriver à un moment dans la vie, chrétien, je connais pour qui il peut faire confiance. Qui qualité chrétien, me souligne les mots, me masse les mots encore, me dire. Même les chrétiens, je connais qui qualité chrétien, ou peut faire confiance. Parce qu'il y a un chrétien, qu'il y a un chrétien, oui, mais il est faible dans la foi, mais seulement il y a un chrétien. Vous ne pouvez pas dire aïe détester les non. Vous pouvez connaître qui qualité chrétien qui peut raconter du secret. Vous pouvez connaître qui qualité chrétien qui peut raconter la vie privée. Vous pouvez connaître qui qualité chrétien qui peut dévoiler le secret de où la case. Est-ce qu'il y a un chrétien quand on finit raconte lui, il va prier pour lui pour courage, il pour tirer où là-dedans? Ou ça simplement il y a un chrétien qu'il est venu pour écouter. Pour écouter tout le monde qui peut dire, après il peut le trahir. Puis il faut faire confiance aujourd'hui. Parce qu'il peut vivre dans le dernier temps. Pour qu'il ne pas tomber dans la vie à cause d'un chrétien. Pour qu'il ne pas tomber dans la vie à cause d'un malentendu. Pour qu'il ne pas régner bon Dieu à cause de la curiosité d'un chrétien qui finit connaître le secret de la vie. On raconte du secret pour un kiken qui, quand finit raconter, il a voyé la main, il tient où dans le trou qui est tombé, il tient où dans le problème, il donne nous conseil, il encourage où, il soutient où dans la prière, il soutient où dans le débat. S'il fallait les mots, tous les secrets qu'il racontait, les mots en savant, il y allait dans ce cercueil. L'important, c'est que Bisa connaît qui chrétien, qui vraiment, ou bien raconte du secret. Parfois, il y a quelque chose qu'il ne peut pas dire. Dis-moi là, il est capable à l'ajouter, et à dire. Quand vous demandez, il faut dire, ou même vous finissez dire ça. Un tel finit dire moi. Et où c'est Christ dans la bouche, dans la bouche d'autre, comme ça même qui beaucoup l'église finit un problème à nos jours.
innocemment, un chrétien qui quitte l'église, il n'allait, c'est juste à cause de la curiosité. Et aussi vraiment, qu'au final, trahir, à vendre le secret de ce propre frère et sœur. Mais la Bible qui pour nous dans Jean 21, le chapitre 21, le verset 23. La curiosité. Le verset 23 qui nous dit. Alors, on a raconté dans la communauté que ses disciples n'allaient pas mourir. Quand jamais Jésus-Christ va dire qu'il dit, ça va disciple là pas pour mort, disciple cause de vraiment de Judas. Mais à aucun moment, il ne va dire qu'il va disciple pas pour mort, jamais. Pourtant, Jésus n'avait pas dit. Il ne va pas mourir. Jamais Jésus-Christ ne va dire qu'il va disciple pas pour mort. Jamais il ne va dire ça. Mais il finit dire, mais il avait dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire? Qui s'en la finale prend sa information-là? Pourtant Jésus-Christ. Jésus-Christ va dire une parole. Ben la finale dit à qui Jésus-Christ il dit sa parole là. Imaginez maintenant combien danger la langue en dimoun li dangereux. Combien danger li danger quand on dévie d'un secret avec un chrétien qui li faible dans la foi et deuxième qui chose, sa chrétien n'est pas rempli de l'esprit. Il n'est pas rempli de l'esprit. Jésus-Christ jamais n'est pas dire. Jamais il n'a pas fait dire que est vraiment ben, disciple et pas pour moi. Jamais il n'a pas dit ça. Pierre, tu fais Paul de vraiment de Judas. Qui peut arriver, lui, Seigneur? Mais Jésus fait dire si moi j'ai encore en vie jusqu'à me retourner, ben, c'est là et c'est là. Et, pour toi, qu'est ton problème là-dedans? Moi, prends la cause écroule là. Pour toi, qu'est ton problème là-dedans? Toi, ton problème, c'est suivre-moi. C'est ça même, erreur de chrétien dans le jour, il danserait, nous perd dans la troisième round finale là. Qui fait ton vie chrétien? Si tu ne pas connais ce matin, mon Dieu, ton vie chrétien, c'est moi pour moi sans Jésus-Christ. Moi sans Jésus-Christ, pour moi, bien mangé, mange droite, faites aussi mes droites, faites aussi mes tranquilles, moi c'est Jésus-Christ, jusqu'à la destination finale, un point c'est tout. L'autre qui peut faire, qui ne peut pas faire, qui passe de sous la case, qui ne passe pas de sous la case, qui passe dans la vie, ses enfants, qui ses enfants faire, ça pas ton problème. Suive Jésus-Christ, toi. C'est ce qui nous dit, je suis mal interprète ce que Jésus-Christ lui dit. Si Jésus-Christ, ses paroles sont mal interprétées, toi maintenant, chrétien, ta parole a commis plus faute raison pour plus mal interpréter. Tu n'as des personnes pour raconter ton secret. Tout ton problème, ton secret, tu racontes en mon Dieu. Parce qu'il lui-même ton créateur, ça. C'est là pour pardonner, c'est lui-même pour pardonner toi. Et deuxième, c'est ton berger. Ton berger qui vraiment Dieu qui met au milieu du troupeau. Veut dire qu'il y a un homme de Dieu, un pasteur. Veut dire c'est lui qui peut travailler ensemble avec toi. C'est lui qui peut enseigner toi, peut conseiller toi, un homme de Dieu. C'est ça l'acte secret d'y dévoiler. Pour conseiller toi, pour enseigner toi, pour prier pour toi, pour tirer toi, pour ouvrir ton lisier, pour ouvrir ton intelligence, pour remettre toi le chemin du départ. Donc, quand nous parlons de la curiosité, la curiosité se dangereux quand tu étais encore. La curiosité nous dire, aujourd'hui c'est un qui nous tourne, beaucoup l'église fait casser, fait diviser. Qui fait tellement la curiosité fait rentrer, il sortait l'esprit de palabre. Le palabre fait rentrer, fait faire dégâts. Blesse l'autre chrétien, dévoile secret l'autre chrétien, dévoile faiblesse l'autre chrétien. Dévoile secret aux autres enfants, dévoile secret dans la famille, dévoile secret dans la vie conjugale, jusqu'à dans la vie conjugale. Parfois le secret est fini dévoilé.
L'état d'Imoula chrétien là morce le chemin. D'Imoula guetlib dans un mauvais regard. Surtout s'il y a un serre, guetlib dans un mauvais regard qui fait parce qu'il finit à vendre sur la messe des hauts dans une mauvaise façon. Une mal exprimée, une mal expliquée. Là, Jimoula guette d'un mauvais regard sa personne qui peut marcher le chemin de Kala. Mais pourtant, ça, quelqu'un peut marcher là, il est innocent. Combien de chrétiens innocents, mais son nom finit blasphémé en public. Combien de chrétiens innocents, il y a un problème familial, un problème foyer. Je suis à tout droit pire de sa foyer là, un problème foyer. Il est innocent, il y a un problème foyer dans son foyer. Il vraiment, il reste dans son foyer. Par curiosité, le chrétien final connaît. Il mal interprète ça en dehors. Il marche le chemin sans qu'il y connaît. Comme un chrétien finit comme son problème personnel qu'il a gagné dans son foyer. Et dernier du monde qui pourra le connaître, c'est ce chrétien-là qui pourra le connaître. Qui tout ce secret finit dévoilé, lui-même dernier pour le connaître. Et quand il le connaît, il connaît qu'il est pas que ça lui fait. Premier l'impact qu'il fait, lui détruire la vie chrétienne, ça dit moun là. Premier l'impact. Deuxième l'impact qu'il fait, ça chrétien là, il gagne dégoût pour vivre l'église. Troisième l'impact qu'il y pour faire, ça dit moun là, il pour dégoût chrétien comme lui-même, il pour dégoût chrétien comme lui-même. Troisième qui saute lui faire, elle guette qu'il impacte la curiosité lui faire dans la vie chrétienne. Et c'est ça qui nous trouvait quand la Bible parle nous dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 9. Quand la Bible dit comme ça, il parle nous de Lazare. Lazare, quand il mort, 4 jours dans le tombeau, quand Jésus finit devant le tombeau, nous allons guetter ce matin. Curiosité. La Bible dit comme ça, Jésus qui avait une vigne devant le tombeau, vient dire, ôte la pierre. La Bible dit tout autour de ça, et de ça l'endroit là, ben Jimoun vient venir. La Bible dit, nous lions dans les versets suivants, après, dit, non pas seulement à cause de Jésus-Christ, ça va, ça la foule là, pas de seulement à cause de Jésus-Christ, mais pour voir aussi Lazare. Pour voir aussi Lazare. Ça va là quand vraiment Jésus-Christ maintenant fait dire Lazare sort d'un tombeau, Lazare fait sortir, vivant l'une sortie, mort 4 jours décomposé. Donc à fin, beaucoup du monde finit comme curiosité. Curiosité finit. On veut connaître qui pour être, qui pour arriver, qui pour passer. Ça lui donne un grand exemple. Beaucoup du monde finit comme curiosité. Tout du monde finit être Lazare ressuscité. Tout le monde connaît Lazare, il mort, il y a 4 jours de tombeau, il mort, il pourrit, il gagne l'odeur. Quand il ôte la pierre, il gagne l'odeur. Tout le monde fait guetter. Mais d'où il vient, il guette Jésus, fait un miracle. Mais j'ai envie de connaître qui pour passer. Mais une question fait poser dans tout ça, la foule là. Tout le monde trouve miracle, mon Dieu. Tout le monde trouve Lazare ressuscité. Tout le monde trouve Lazare finit vivant. Combien de la foule, combien de la foule finit donne sur le cœur Jésus-Christ dans sa foule là? Tout finit venir, finit guette tamassa, finit guette miracle, après vient les deux inalés. Le monde est comme ça. Le monde est là quand un problème peut lever, qui seul peut arriver, il vient lui guetter pour lui un plaisir ça. Il guette tamassa, il y aller. Mais pour la question. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 9, à lire où la Bible vous guettait, combien là-dedans finit accepter Jésus-Christ là-dedans? Tout finit trop miracle. Tout finit trop mort et Marie, finit devant le tombeau de Lazare. Tout finit trop la roche, la pierre finit ôtée. Tout finit trouvé. Tout finit trop Lazare sorti, lié. Jésus finit d'être délié là, délié lui de sa vraiment, sa bande qui est dans l'eau là. Tout finit trouvé. Combien là-dedans fin costé, fin donne son équerre à Jésus-Christ. C'est un que l'appelle bad curiosité. Man qui quelqu'un qui cueille, dès que fin vient guetter. Donc c'est comme ça même que beaucoup parfois arrivent sans que nous rendent compte. Nous sommes capables de diviser l'église.
juste à cause de l'esprit de curiosité là. Envie connaît, ça n'a qu'un an, ça n'a qu'une faire, l'autre là qu'une faire, ça n'a qu'une faire, l'autre là, comme curiosité. Mais combien venez pour suivre Jésus-Christ? Dans l'église, combien chrétiens venez pour suivre Jésus-Christ? Combien chrétiens venez juste pour faire défaut? Combien chrétiens venez juste pour guérir défaut? Combien chrétiens venez juste pour écouter quelque chose qui pas concerne lui? Et sans qu'ils nous rendent compte aujourd'hui, à l'estimer, eux-mêmes, tout un chrétien qui peut être ça, à l'estimer. À le guetter comme un chrétien, parfois, fin quitte l'église à cause d'un chrétien même. À le guetter comme un chrétien aujourd'hui, pas capable de sentir la présence d'un autre chrétien. À le guetter aujourd'hui comme un chrétien, mais pour cause chrétien aujourd'hui, il est un culte de chrétien aujourd'hui. À le guetter comme un chrétien aujourd'hui. Juste pour lui pas longtemps, le dit comme ça, tu peux prendre un seul coupe. Prends la sainte scène d'un seul coupe. Si ça quelqu'un qui est devant là, et lui finit prendre coupe, lui finit prendre la sainte scène. Pour derrière là, avant la sainte scène, lui finit sortir y aller. Lui qui se la dîme avec un autre chrétien, lui sortir y aller. Parce qu'il fait, lui pas pour boire dans sa même coupe là. Qui fait? Parce que ça quelqu'un l'a trahir. Qui fait? Ça quelqu'un l'a blessé. Qui fait ça qui qu'elle là il amène ce secret dans l'église et ça il vient un poison et aujourd'hui ça encore peut continuer ça peut continuer aller donc c'est pour cela qu'il nous dit il est très important dans la vie qu'il nous puisse connaître qui nous peut raconte un démon nous bien connaître un secret. Et un quelque chose dans nous la vie qui peut dominer nous, et une place qui nous a tombé, et une faiblesse qui nous tombe, et une erreur qui nous a le faire, et une bêtise qui nous a le commettre, nous finis raconte bon Dieu, nous finis vraiment demande, nous faisons nos repentances, mais nous faisons une aide à une personne, il y a un poids dans nos consciences. Nos consciences peuvent reprocher nous, nos équerres peuvent reprocher nous, nous faisons tirer, il y a un poids dans nos équerres. Bizarre tirer ce poids-là. Et ce matin, nous envoie un avertissement très fort ce matin. Nous envoie un avertissement très fort à tous les chrétiens. Et un fardeau et un poids, bizarre tiré dans lesquels. Oui, bizarre tiré. Nous devenons à Dieu, bizarre, nous besoin de coup de main. Nous besoin vraiment, pour être conseillé, nous besoin de la prière. Nous besoin de parole maintenant physique pour causer nous, pour rassurer nous, pour enlever ça qui se donne dans nos consciences. La même chrétien comme Thérèse. Elle raconte ça à un chrétien qui est faible de la foi. Un chrétien qui est faible de la foi, jamais n'est pas capable de tirer ou dans le problème. Lui-même est faible de la foi. Un chrétien qui manque de discernement, lui-même manque de discernement, lui n'est pas capable de tirer. Un chrétien qui n'est vraiment pas rempli de l'esprit, lui n'est pas capable de tirer. Tout ce qu'il finit d'éviter de raconter à Tan. Qui quelque part vous tonne en dehors. Et ça même vient d'arriver. Ça même vient d'arriver dans beaucoup la vie chrétienne. Ça même vient d'arriver dans beaucoup l'église. Et ce matin, nous tire un avertissement bien fort. Avant la rentrée de l'église, dans le troisième round, nous dire. Avant nous rentrer dans le troisième round. Un sonnet à l'homme. Bon Dieu, on le corrige sur l'église, prépare sur l'église. Bon Dieu, vraiment, dans sa troisième round-là, il a besoin d'une église qui sait, qui pure. Parce qu'il se retourne, les proches. Il a besoin de l'église qui est dans l'amour, pour rien. Il a besoin de l'église qui est dans l'unité, pour rien. Il a besoin de l'église qui est dans le pardon, pour rien. Il a besoin de l'église que chacun peut comprendre les uns les autres. Il a besoin de l'église que chacun peut prier pour les uns les autres. C'est pour cela que Dieu finalement le moment pour lui couper tout une branche qui peut faire l'interdiction dans sa troisième round. C'est pour cela que ce matin, nous tient un sonnet à l'homme très fort ce matin. Tout problème qui s'accrétient, il y a deux personnages
à qui les besoins racontés. Premier personnage, c'est ce bon Dieu lui-même. Qui fait nous dire personnage, Dieu nous un personnage, parce que Dieu c'est nos camarades. Un camarade de confiance. Dieu vraiment, ce n'est pas nous l'ennemi, ce n'est pas qu'un étranger pour nous, nous perdre pour coster au lit. Il y a un camarade, n'importe qui soit qui est là, sentis-nous libre à dévoiler avec Dieu. Et deuxième personnage, un homme de Dieu de confiance. Je souligne le mot ce matin. Deuxième personnage, à un homme de Dieu de confiance. Je redis une troisième fois. Deuxième personnage, à un homme de Dieu de confiance. Lui prend tout secret, lui envahit le secret, demain lui vaut au secret, dans son ventre, dans son secret, rentre depuis dans la fosse. S'inspire à la terre. C'est ça, homme de Dieu, là, qui vous fait confiance. Qui garde le secret. Nous tiens alors dans le troisième round, qui toute l'église pour entrer. Ça, l'esprit de curiosité, là, tout il y en Dieu. Zette li en Dieu. Et c'est même qui beaucoup, aujourd'hui, l'église, il cassé. Beaucoup chrétiens, beaucoup chrétiens quittent l'église, il allait. Comment vous explique ça, moi terminé ce matin? Comment vous explique ça, un chrétien pas capable de sentir un chrétien? Comment vous explique ça, un chrétien qui connaît la parole de Dieu, qui est dans l'évangile de la vérité, qui donne la parole, qui est dans la lumière, mais chrétien là, pas bien que ça, chrétien là. Tous les deux dans la lumière, tous les deux dans Jésus-Christ. Tous les deux pour prendre le coupe de la Sainte Seine. Heureusement, aujourd'hui, la Sainte Seine servit dans plusieurs coupes. Chacun se coupe pour lui, premièrement, du côté hygiène. Mais aujourd'hui, en même temps, vous pensez qu'il peut servir pour sa façon là aussi. Pour un du monde pas qui sur la Sainte Seine n'est pas parlé. Pour lui pas dire, un tel, il finit pour avoir mon pas pour prendre. Heureusement. Comment on explique ça? Chrétien, pas faire confiance, chrétien. Si un chrétien n'arrive pas capable de faire confiance à un chrétien, mais pour qui il peut faire confiance? Mais quand sa confiance-là, quand sa manque de confiance-là sortit, quand manque de confiance qu'il sortit, il rentre dans l'église aujourd'hui. Sa manque de confiance, il sort d'un chrétien même, il rentre dans l'église aujourd'hui. Qu'un chrétien n'est pas capable de faire un chrétien confiance. Parce qu'il fait, tôt ou tard, il finit trahir. Un chrétien. Ça veut nous dire, dans ce dernier temps, nous pouvons vivre là. Après, un petit chose, si le bon mot termine là, ça le molé qui est bon pour dire ça ce matin. Quand Dieu peut bénir, quand Dieu peut multiplier dans la case, peut bénir la case à l'abondance, les enfants peuvent bénir, les finances peuvent bénir, la santé peut bénir, la vie spirituelle peut bénir, ben, bonheur peut rentrer dans la case, bonheur peut rentrer dans la famille, bonheur peut rentrer dans la vie aux enfants, n'a pas galopé en Dieu, elle tape ton mot sur le pétard, elle raconte ça tout le monde. N'a pas vraiment, elle raconte tout le bonheur pour les enfants qui est là devant. Elle dit à bon Dieu plutôt, merci pour ce qu'il fait. Elle partage au réjouissement, au contentement, tout ce que peut réjouir ou là. Elle dit à bon Dieu, merci. N'a pas qu'à le faire raconter pour qui chrétien, dans qui l'église était, qui place était, qui l'endroit était. Tu connais mes enfants, gain ça, un tel mon gain ça, mon gain ça. Mon père réussit. N'a pas le tape tambour, elle raconte droite et gauche. Après quelques pas, là, tout va contrarier, commence à venir, tout va la porte commence à fermer, la bénédiction commence à perdre. Là, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Ça, c'est un autre topic, ça. Dieu, pour vous accorder la grâce, nous pour expliquer ce topic-là. Comment les chrétiens sont bénédictions à le perdre. Après avoir qu'il fini de gagner, comment et de quelle façon ça le perdre. Donc, pas tape ton bout, elle fan la fils. Elle dit tout chrétien, faible dans la foi, pas rempli du Saint-Esprit, pas le dévi du secret. Même le bonheur, le malheur que vous pouvez traverser, raconte-le à bon Dieu. Bon Dieu peut bénir à l'abondance,
Là où la prière, grand matin jusqu'au soir, raconte bon Dieu, j'ai tout merci qui nous a dit, j'ai tout merci. Mais n'a pas raconte l'homme. N'a pas raconte chrétien. Et un chrétien faux et un chrétien faible. Et un chrétien qui est capable de prendre au secret, les beaux ensemble avec le secret, les amis, les beaux connaît. Mais malheureusement, pas tous les chrétiens qui sont pareils. Et il y a différents chrétiens. C'est même que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu de lui. Donc ce matin, si tu perds l'église, pour qui tu peux suivre? Tu te convertis, pour qui te suivre? Tu deviens enfant de Dieu, pour qui tu peux suivre? Un seul qui sauve, qui, Jésus dit à Pierre, Pierre, qui peut arriver, qui peut pas, qui peut pas, ça, mais toi, tu es un seul qui sauve, suive-moi. Que ce matin, Dieu n'appelle toi pour suivre. Suive-le. Et évite pour rapporter quelque chose qui est, papa nous dit, elle n'est pas concernée. Problème du monde, il n'est pas concerné tout du monde. Problème qui est du monde passé, il n'est pas concerné tout du monde. Il n'est pas concerné tout chrétien. Chaque chrétien, il y a un problème. Ce problème concerne ce bon Dieu. Et deuxième, ce problème, il concerne l'homme de Dieu qui est dans le pâturage, qui peut prendre soin de lui. Donc, évite pour tout et nous les uns les autres, spirituellement. Évite pour blesse nous les uns les autres, spirituellement. Évite pour farouche nous les uns les autres, spirituellement, dans le pâturage du Christ. Tant qu'il nous capable, c'est faire du bien, faire du bien. Bon, qui ça, les autres lesquels ce matin? Que Dieu bénisse tout un chacun de vous ce matin. Que la grâce de Dieu accompagne les autres, la grâce de Dieu dévèle dans notre vie. Que Dieu bénisse vous abondamment. Qu'ils vous passent une très bonne journée, un bon week-end. Qu'ils préparent nous pour la rentrée de l'Église. Pareil comme tous mes enfants, puis attendre, hâte, puis attendre quand l'école rentrée. Et en attendant, je peux en prendre l'eau internet. Et dans tout, et vraiment, mon préparatif, il fait, je peux en prendre. De même, nous aussi, chrétiens. Prépare-nous à la rentrée, à nouveau dans le pâturage. Beaucoup qui sont qui est là pour tirer dans nous, qui sont qui est là pour zéter dans nous, qui sont qui est là pour corriger, corrige-nous, parce qu'il nous parle rentrer dans sa troisième round là. Troisième round, un chrétien les fait, les disqualifié, pas pour la réparation pour trop tard, parce qu'il a venu de notre Seigneur Jésus-Christ, les très proches. Laisse-nous comme la tête, nous bénis Dieu pour ses paroles. Père très saint, dans le nom de Jésus, moi les louer, moi les prier toi. Moi les bénis toi, mon Dieu, moi les rendre grâce à toi. Moi l'exalter, moi les donne toi la gloire, l'honneur, puissance à toi. Moi remercie toi pour ta parole est vivante. Ta parole est certaine, est la vérité, Seigneur Dieu. Ta parole paraît une vers toi tant qu'il pas faire sur les faits. Seigneur, qui dorénavant aucun âme pas pour perdre dans toutes les églises de l'île Maurice, qui les âmes pas quittent l'église à cause, mon Dieu, vraiment, Seigneur Dieu, ban qui sort de la curiosité, qui vraiment, Seigneur, au contraire, ban âmes ajoutées à l'église, mais que âmes, mon Dieu, qui pas quittent l'église, Seigneur. Coupe ça, ban branche là, mon Dieu, dans la vie de ban chrétien qui faible dans la foi, qui vraiment, qui pas rempli de l'esprit. Coupe ça, ban branche là, brise de façonner, transforme nous autres, Seigneur, afin que le nom de Dieu l'y glorifie. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Et voilà, moi, ce matin, me faire les annonces. Sans oublier, mardi, nous réunions de délivrance à 7h. Prépare-nous pour un autre topic, un autre message. Et vendredi, nous réunions de l'enseignement. Et dimanche prochain, nous cule à 9h30, la louange, l'adoration. Et à 10h, et la prédication. Et tout ce qui est au Liban conseil, qui est là-bas, qui sont personnels, secrets, pas capable, raconte qui que ce soit, et non vraiment un numéro de téléphone, l'on s'assite là, c'est l'homme de Dieu, c'est le berger, je suis capable, adresse, d'autres problèmes, d'autres difficultés, et nous là pour conseiller les autres, nous là pour encadrer les autres, et nous là aussi devant Dieu, pour garder les autres secrets aux profondeurs de nous l'équerre. Voilà, nous réunions à sa fin, que Dieu bénisse tout un chacun de vous, que la grâce de Dieu vous accompagne. La souffrance de Jésus-Christ sur la croix est quelque chose de difficile pour comprendre. Ce bon camarade qui me crie à lui,
ben afin arrête lui et condamné à mort alors qu'il était innocent. Ben afin bat lui et il y a un coup de fouette. Un couronne d'épines l'eau sur la tête, il sort sur la croix avec douleur jusqu'à Golgotha. Pendant toute longue ce trajet, Dimon t'y peut battre lui, maltraite lui, crache l'eau lui. Mais Jésus pas ne regarde en arrière. Au contraire, il continue, avancer. Jésus t'y capable évite la croix. Faire du fait tomber depuis dans le ciel. Ou ça, au donne ce banan, je viens s'écouler. Mais Jésus pas t'y intéressé pour sauver lui-même. Mais il peut faire tout ça là pour sauver toi. Chaque détail de Jésus sur le sacrifice qui font partie du plan parfait de Dieu pour rapprocher-toi de lui. Si aujourd'hui tu écoutes ce message-là, connais que Dieu compte en toi, tu as valeur pour lui et un plan merveilleux pour toi. Dis, répète ça la prière là avec moi. Fais-le de tout le cœur. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Comment m'a été? Pardonne-moi mon bonne faute. Pardonne-moi mon bonne erreur. À partir d'aujourd'hui, me reconnaître que tu es le Fils du Dieu vivant. Tu ne viens de la terre. Tu ne donnes de la vie pour moi dans la croix. M'accepter toi comme Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens habiter dans mon cœur. Me faire de toi, mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, chaque seconde de ma vie n'appartient à toi. À partir d'aujourd'hui et pour l'éternité, me reconnaître et mes enfants bon Dieu. Me dire ta merci Jésus, te compte en moi. Merci Papa et merci Saint-Esprit. Alléluia, me donne-toi toute chaque partie de moi-même. Si tu me fais la prière de toute l'équerre, nous avons envie de prier pour toi. Viens avec nous. L'église Seal Church, Glen Park, Vaqua. Ou sinon, trouve une église qui est plus près de chez toi, que tu es capable de prier pour toi, encadrer toi et montrer toi l'amour de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. À bientôt.